Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce quatrième numéro de votre émission L'Art nous parle. Comme à l'accoutumée, nous partons dès l'entame de cette émission à la découverte de l'invité du jour. À la découverte de la galerie Louis-Simone Guirandou. Anciennement Art Pluriel, créé en 1991, cette galerie, non des moindres, a vu l'éclosion de plusieurs artistes connus sur le marché des arts. Nous interviewons la directrice. Gazelle Guirandou, cofondatrice et directrice de Louis-Simone Guirandou Galerie. Alors c'est difficile de parler du début de création de cette galerie uniquement parce que c'est une histoire qui remonte aux années 85, qui a commencé avec la galerie Art Pluriel. Et je vais vous raconter une anecdote pour vous dire que cet espace-là a servi dans les années 85 à exposer des œuvres. Donc la Louis-Simone Guirandou Galerie est en dur depuis 2015. Je reviens en arrière parce qu'il est important que vous sachiez que les activités de cette galerie n'ont pas commencé en 2015, mais elles ont commencé avec Simone Guirandou en 1985, quand elle a cette partie constituée le jardin, et une partie du jardin et la piscine. Et les expositions ont commencé donc ici, jusqu'à ce qu'en 1991, Simone Guirandou fonde la galerie Art Pluriel, aux deux plateaux. Et c'est pour commémorer ses 30 ans d'activité à la promotion de l'art que nous avons décidé, elle et moi, de faire ce bâtiment qui est attenant donc à la villa de Simone Guirandou et de son défunt époux. Et c'est pour ça que cet espace s'appelle Louis, comme le prénom de mon défunt père, et Simone, le prénom de ma mère. Alors, on n'a pas de difficultés majeures. Je ne pourrais pas dire qu'on a des difficultés majeures. Nous avons bien sûr des difficultés comme toute entreprise, mais il nous arrive, par exemple, pour les artistes, vous savez, on a quand même une très belle pépinière ici d'artistes, et il est parfois difficile de faire la sélection parce qu'il faut en plus leur expliquer. Quand ils voient une galerie, déjà ils se demandent s'ils ont le droit d'y rentrer. Oui, une galerie, c'est un endroit public, c'est ouvert à tout le monde. Et les artistes ont toujours l'impression que dès qu'ils voient une galerie, ce qu'ils font est bon et il faut absolument qu'ils soient exposés. Parfois, ils prennent mal le fait qu'on leur dise « bon, c'est pas tout à fait dans la ligne directrice de la galerie », qu'on leur donne des conseils sur leur travail, qu'on leur demande de continuer le travail avant de pouvoir le présenter à un certain public. Vous avez ça, vous avez également le fait qu'on regrette quand même on aurait voulu avoir une meilleure couverture médiatique de nos artistes. Les artistes en ont besoin. Il arrive que nous ayons des difficultés parfois à pouvoir avoir un événement couvert par les médias ici. Ça, c'est dommage. Ce serait bien que nous puissions être accompagnés dans la promotion de l'art et de la culture. Qu'on sente que la culture nous embrasse tous afin que nous puissions représenter donc nos artistes, qu'ils soient ivoiriens ou étrangers, mais qu'on puisse représenter l'art plastique, que la Côte d'Ivoire en tout cas fasse figure d'un point d'entrée de l'art plastique. Le mot de fin, bon, c'est surtout encourager les gens maintenant à se remettre au travail. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quand même traversé un an et demi de pandémie due au Covid. Aujourd'hui, les espaces culturels sont ouverts un peu partout et il est encourageant de voir en plus la nouvelle génération, les performances de la nouvelle génération au niveau de l'art plastique. De voir que de plus en plus de jeunes artistes sont reconnus, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, et les encourager en tout cas à nous faire confiance en tant que galeristes
pour que nous puissions aller de l'avant tous ensemble au niveau de tout ce qui est art plastique. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et maintenant, voici venue l'heure de la compétition. Chers téléspectateurs, nous voici à la deuxième compétition pratique sur le thème « Culture pérenne et sécurité alimentaire ». Sans plus tarder, je vais laisser le soin à M. Augustin Cassis, membre du jury, de nous expliquer ce thème et nous dévoiler par la même occasion les attentes du jury en ce qui concerne nos candidats. Merci beaucoup. Le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, a dit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Fin de citation. L'occupation des terres par les cultures pérennes face aux cultures vivrières. Que propose l'artiste comme approche pour un développement harmonieux de notre pays quand on sait l'action des deux cultures par rapport au développement harmonieux de cette nation, la Côte d'Ivoire, notre pays? Nous attendons des participants un effort sur eux afin de nous produire des œuvres magnifiques pouvant participer au développement de ce pays, la Côte d'Ivoire. Candidat, êtes-vous prêt? Oui! Avez-vous cerné votre thème? Oui! Top, c'est parti! Isaac, tu as un fond à double ton, c'est déjà pas mal, mais est-ce que tu cernes bien le sujet? Oui, monsieur, je cerne bien le sujet. Voilà, donc si tu cernes bien le sujet, j'espère que tu vas nous sortir quelque chose de magnifique. Exact, monsieur. Sur ce, beaucoup de courage et à toi d'y aller à fond. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Bat. Est-ce que tu as bien compris le sujet? Oui, j'ai bien compris. Il s'agit de l'agriculture. Mais pour le moment, tu n'as pas encore placé tes fruits. L'harmonie des couleurs est bien mise. Et j'espère que tu n'auras pas de difficultés pour aller jusqu'au bout, pour nous donner un très beau travail. J'ai bien compris le sujet, je vais faire avec. Nima? Oui. Comment ça va? Bien, monsieur. Je constate que tu as fait un très beau lavis. Oui. À sortir de violet. Et là-dedans, je vois transparaître deux personnages. Effectivement. Voilà. En dehors de cela, je ne vois pas encore d'éléments qui me fassent comprendre que tu as déjà cerné le sujet. Bon, nous ne sommes qu'au début, mais nous attendons et espérons qu'à la fin, nous allons voir la magie sortir de ce que tu as commencé à faire. J'ai confiance en toi. Va-t'en. Merci. Nyoma sae mangie atie dao Nyoma sae mangie atie dao Nyoma sae mani ine atie dao Nyoma sae mani ine atie dao Ukawi yo no okeno wo lelize Ukawi yabi okeno wo lelize.
Bonjour Anne. Bonjour monsieur. Ça va? Tu appréhendes bien le sujet? Oui, ça va. Tu espères pouvoir rentrer bien dedans, projeter, en même temps parler de pérennisation? Oui, c'est un sujet qui est d'actualité, donc je pense que je vais y arriver. D'accord, mais je te souhaite bonne chance et puis il faut vraiment faire ce que tu fais de mieux, hein, hein, n'est-ce pas? Merci monsieur. Et puis bonne chance pour la suite. Bonsoir Teshi. Bonsoir Ahmed. Tu as bien compris le sujet? Oui. Bon, pour l'instant, tu as un très beau fond. Il faudra pousser ta recherche vers le sujet. Pour l'instant, tu n'as pas de difficultés, mais il faudrait tenir compte de ce qu'on t'avait dit au départ. Ok, maître. Merci bonne beaucoup, continuation. Maître. Merci beaucoup, maître, pour le conseil. J'espère être à la hauteur. Pour le moment, je suis à moitié satisfait parce que le travail n'a pas été très bien avancé. Et j'espère qu'avec le temps qu'on va leur donner encore, on verra des travaux harmonieux. Mon impression, je suis un peu sur ma faim et j'espère que d'ici là, les choses vont s'améliorer. Donc, vraiment, pour l'instant, je suis encore sur ma faim. C'est toujours le même problème qu'on a avec nos jeunes artistes. Dès qu'il est question de travailler sur des sujets, ils ont l'impression sur trois sujets différents, ils travaillent toujours la même base, ils partent dessus et la matière qu'ils utilisent pour mettre en forme pose un problème. Mais bon, je pense qu'ils vont se rattraper au fur et à mesure. J'espère qu'ils vont bien comprendre par rapport aux critiques qu'on leur a adressées tout à l'heure pour pouvoir nous émerveiller. Qui parle de culture pérenne, parle de culture qui peut être exploitée à chaque période et dans le temps, ce qui favoriserait, on dirait, une sécurité alimentaire pour une Afrique qui en a besoin. J'ai hâte de voir les œuvres de ces candidats, comment ils vont mettre en exergue ce thème à travers leur toile. Chers téléspectateurs, les compétitions pratiques, c'est terminé pour aujourd'hui. Les notes seront connues le jour de la finale. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues.